qui peuvent être commandés par le conseil national ou le ressort, pas de fibron et fibron sont permis. Lors de la même assise, vous êtes prévu à la présence d'un lien avant de mettre en route. Nous vous rappelons que pour la fin de la semaine, la fin de la compétition. Il y a le train qu'on va croiser en Poemel à Poix-les-Carnac. Collègue, c'est sa dernière journée de travail avant le départ là. Ah, c'est ce soir, j'ai dernier train cet après-midi. Ce soir, vous faites caca et pétard alors. Ça se fait encore. Bah, ici, moi je serai pas à l'arrivée parce que je serai à Quiberon. Je sais pas ce qui est prévu pour lui. Demain, par contre, on va le massacrer, ça c'est sûr. Demain. Là, c'est des belles traditions, ça, je trouve. Décorer le train et puis. Ça se garde. Bon, en fait, c'est très variable. Ça dépend des moments, ça dépend de. Ah, moi, j'habite dans le coin, mais je suis jamais monté dans ce train. Mais je l'ai souvent vu passer parce que je fais des photos sur la voie. J'ai fait souvent des photos sur la voie. Il y a quoi, il y a trop de temps, c'est ça que c'est...
arrêter à l'entrée de la gare. Donc ce qu'elle me demande d'être en mesure de m'arrêter au changement d'entrée de la gare, repéré par le SPF de mai. Donc être en mesure de s'arrêter, c'est-à-dire moins de 30. Lui ici, si, pour une raison ou quoi que ce soit, il peut mettre un signal d'arrêt là juste à l'entrée. Et après on a une vitesse à respecter sur les aiguilles. 30 aussi. Ça dépend des gares. Là c'est 30, mais c'est marqué à la marque. Ah, tout est manuel là. Là vous verrez même vous, vous arrêtez les jalons à la vitesse, tout est manuel. Ouais, c'est encore c'est le petit machin là. Il n'y a qu'un truc qui n'est pas manuel là, ce sont les composites d'entrée et sortie. En fait, pourrait voir là les courants sont reliés par électronique. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un train qui veut aller à Auray, d'accord? Mesdames, messieurs, nous vous informons que l'orage aujourd'hui de la ligne Saint-Jean de Garde en train. Quand il aura vu visuellement les rouges de fin, il va aller à son poste, là-bas il va dire à Auray, le train est arrivé comme lui chez moi, la voie est libre. Ensuite, le train va arriver de Quiberon, et entre temps, lui, il aura dit, il y aura par informatique qui a Auray, je t'envoie le train du gros temps. Et Auray lui a dit, ah d'accord, tu peux le faire. Et inversement, après quand le train sera parti, lui, va annoncer le train qui propose. Et entre temps, il aura vu la fête de l'autre train. Il aura vu la manifestation. Et donc, entre les rails, là-bas, de ce côté de la gare, il y a ces espèces de barres de fer qu'on appelle les crocodiles. Et si, comment vous dire, si l'ordinateur ne serait pas d'accord avec ce qu'on lui donne comme indication, en fait, moi je serais pris en charge ici, arrêter le train s'arrêterait et j'aurais des mesures immédiates à faire. A été mis en place suite aux années 85 où il y a eu des grosses collisions en France, notamment chez moi là-bas. J'ai fait beaucoup de photos là. La Guilaine, ma ligne droite préférée. Pas pour les gars.
il est fait avec les correspondances des GV, donc malheureusement, la presqu'île peut être touchée, le train ne va pas être plein complètement par le plus de heures. Donc pour moi, il devrait y avoir de l'attractif. Vous comprenez ce que je veux dire? Il devrait y avoir de l'attractif au niveau de l'animation musicale, très historique, et surtout des parkings avec des billets complets qui incitent les gens à prendre le train. Et pour l'instant, il semblerait que dans le Ouest, ce soit la politique. Déjà, le tarif il est quand même moins cher, parce que moi j'avais acheté un billet à Lille. Ça dépend, jusqu'au 15 août. Jusqu'au 15 août, pour aller en voiture à Lille, il faut savoir choisir les heures. Ouais, et je vais changer. Hein, parce que ça dépend à quelle heure rentrer et à quelle heure sortir. Sinon, on est dans les bouchons. Hé hey. Réveillé. Italien, parce qu'on appelle les klaxons italiens quand j'étais gamin. Vous savez pas qu'on a dit un côté là. Non, mais les gens font ça, ils sont en train de faire.
des conneries, puis après ils sont violents. Ça depuis au moins une vingtaine d'années. Et quand j'étais gamin, je m'en rappelle, oui. Je vous sens curieux et prêt à me poser des questions. Oui, oui. Et je sens que vous êtes prêt à y répondre. Je sais que vous avez les moyens de répondre. Ça reste dans la sécurité, donc c'est bon, je vais répondre. Dites-moi. Ben, je vois déjà, vitesse maximum 140. En fait, vous roulez beaucoup mal. La ligne est limitée à 60. Vous voyez que la ligne est compliquée. Oui, oui, oui. C'est à 16 mm par mètre. Rapporté sur une longue distance, ce serait une liquidité importante. Moi, dans ma région, on fait soit des 20-30 km, mais c'est difficile. Je pense que sur des lignes, il y a 40 km. Le plus gros qu'on a en France en travailleur d'aide, c'est 60 km par mètre sur Saint-Gervais-des-Belles. Après, travailleur, oui. Ah oui, les gens.
C'est-à-dire que là, s'ils veulent m'arrêter et fonctionner, je vais appeler les appels. C'est-à-dire, moi, je vais arrêter les appels. On va se garer, on va arrêter le train. Ouais. Et le collègue en total, là, il vient de repartir d'Auray à 12h01. Il arrive là à 12h34 parce que c'est sa dernière arrivée à Fibro. Mmh. Bon, je pense qu'on va le chambrer un petit peu. Ah. Et à 12h50, il aura son dernier départ de Fibro. Et donc, demain soir, il sera passager alors? Oui, c'est la fin de carrière. Donc voilà. Mais on est tous déguisés demain soir. On vient tous là déguisés demain soir. Voilà, super. Voilà. Tout le monde descend.